Salut à tous, c'est Atimix pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky. J'avais dit que que cette fois-ci je ne ferai pas le stream ou la rediff, mais je vais quand même le faire. Et je vais farmer un petit peu les ressources, j'ai oublié le nom là, la murine, voilà. La musique elle est cool. Je sais pas combien j'en ai là pour l'instant, mais je vais essayer de faire un stack complet. C'est 250, un stack j'en ai 67. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec le stream, donc je vais relancer le stream. Parce que j'arrive pas à voir la vidéo sur mon téléphone. Donc je vous dis à tout de suite. Oh non, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ici j'ai la vidéo, donc c'est bizarre. Je vais relancer tout de suite le jeu.
Et la musique ici, elle est assez bien aussi, j'aime bien. Bon, la plante a pété aussi, dommage. Oh, les frises qu'il y a, c'est horrible.
J'en suis à plus de la moitié déjà, 140. Encore 90, non, 110 plutôt, je suis bête. Encore 110. Et on est bon. Ça va aller vite. Je sais pas si j'en ai besoin, hein. De toute façon je passerai au comptoir des commerces, on verra bien. Au pire je pourrais toujours le vendre. Oups. Je l'avais pas vu ce trou. En rapportant argent, c'est toujours mieux de prendre l'or, hein, je trouve. Ça se vend assez cher et c'est super rapide à farm quand c'est en sous forme de cristal. Mais les mérines là, c'est super long, on en a pas beaucoup. Même si ça se vend beaucoup plus cher. Je les fais vraiment juste pour les garder, quoi.
Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Apparemment, c'est juste un truc à vendre. On y est presque. Oh, tempête en approche. Bon ben, on va aller un peu se réfugier histoire de recharger notre résistance à la température là. Donc, il nous en manque 33. Ça, je vais le garder aussi. Le fer, j'en ai pas besoin. Et on est bon. J'ai déjà rechargé ça, je peux pas. Ah, mais d'accord, je vais transférer mes ressources en vitesse. On va retourner à la surface maintenant. Bon, je vais pas aller jusque 250, hein. Je vais faire juste les 3 là et puis je vais aller dans l'espace pour aller sur la nouvelle planète. On va essayer de faire ça vite. Thank you.
Ok, elle est en bas la sentinelle, ça va, elle me verra pas. Donc là, je vais vendre l'or que j'ai récupéré pour faire encore un peu de sous. Vendre tous les items comme ça qui ne me servent à rien. Titane, je vais garder. Murine, je garde. Iridium, je garde. Ça aussi. De l'iridium, je vais en garder juste 250. Oh, 500, allez, je vais en garder 500. Donc j'en vends 338. Platine, je garde, fer, bon, je vais pas les jeter tant que je suis là. Et le reste, c'est bon. Il est tout rose le bonhomme. Bon, allez, on y va. À bord de notre nouveau méga vaisseau. Bon, je suis bloqué sur la rambarde. Voilà. Et c'est parti. En route vers la nouvelle planète. Je pense que c'est les deux là qui sont en bas, donc, comme j'avais dit dans l'épisode précédent. On va voir ça tout de suite. Il ne me donne aucune information. De l'iridium. Ouais, donc c'est ces deux planètes-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais d'abord prendre celle qui est là-bas. Donc c'est parti. J'espère qu'il y aura un peu plus de vie sur cette planète. Hein. Oh, on va se faire attaquer par des pirates. C'est parti, c'est parti. Ils ont scanné des marchandises précieuses dans mon cargo. Et c'est parti. C'est chaud, c'est chaud. Hop, j'ai réactivé mon bouclier là. Sale pirate, tu laisses mon or où il est, mon me.
On a eu du chromium. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, je suis pas très bien aligné là. Il y a de fortes chances que ce soit encore une planète déserte, hein, puisque elle est très proche de la toute grosse là qui est au milieu. Et celle-ci était complètement déserte. Pire, si les deux planètes sont désertes, ça va pouvoir me permettre de découvrir un nouveau système. Les distances sont juste énormes entre chaque planète, c'est abusé. Apparemment, c'est du sable ou quoi ça? Non. Ouais, elle change complètement de couleur la planète là, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était toute verte, maintenant elle est toute brune. En tout cas, il y a de l'eau. Donc s'il y a de la vie ici, j'espère trouver des espèces sous-marines. Là, j'en ai pas encore trouvé. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de végétation, voire pas du tout. Donc ça pue. Ça pue très fort. Ça sent la planète vide là. On va essayer de trouver une base comme d'hab. C'est que ce carré là. Ah ok, c'est un rocher qui n'était pas encore actualisé. Peut l'air d'avoir des masses de vie ici. Du tout même. Aucune base, rien. Quelques petites maisons, quelques petites balises, mais oh, il y a une ruine ici. Bon, on va s'arrêter là, hein. Au moins on apprendra quelques mots. Comme ça on sera fixé. Pour savoir s'il y a des espèces ou pas. Alors, poussière acide. Les sentinelles, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de... Bah, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien sur cette planète. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est encore les espèces de boules vertes là, je crois. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autres pierres. Il y a juste cette grosse ruine là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On sait pas l'activer la ruine? Bon bah y a rien pour activer la ruine, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, y a aucun bouton. Bon bah je vais essayer d'aller au sommet pour voir. Non, il veut pas monter. Bon bah tant pis.
C'est bizarre quand même qu'il y ait un espèce de gros monolithe là et qu'il n'y ait rien du tout pour l'activer. C'est la première fois que je vois ça. C'est intriguant quand même. Je vais vite voir c'est quoi la ressource qu'il y a ici sur cette planète. Aluminium, d'accord. Bon, je vais prendre ce qu'il y a là et... Puis je vais repartir sur la nouvelle planète, donc la dernière du système. D'ailleurs, si quelqu'un me regarde, si vous avez des idées pour pour un nom, pour le système ou pour les planètes, n'hésitez pas. Voilà, je regarde le chat. Donc dites-moi des noms et je vais renommer le système et les planètes. Donc en sachant qu'il y a 6 planètes sur ce système. Voilà, je vous laisse. Avec votre imagination, parce que moi je suis en manque d'imagination là. Et je trouve pas de nom. Allez, et on repart. Voilà, et donc la dernière planète, c'est... Mais où est-elle? Déjà découvert, déjà découvert, déjà découvert. Ils sont là, en fait. Déjà découvert. Mais elle est où la dernière alors? Bon, elle doit être derrière celle-ci. Du coup, je vais retourner vers cette planète-là. On aura un meilleur visuel. La banane filante. Salut, Loulou de Bretagne. La banane filante, ouais, c'est... Et comment tu vas nommer les planètes alors? Il faut nommer le système et les planètes, hein. Et il y a 5 planètes désertes pour l'instant, non 4. Et une avec de la chaleur en fait, c'est une planète chaude. Une chaleur extrême. Et toutes les autres sont désertes. Il ne manque plus que cette dernière là qui a de fortes chances d'être déserte aussi. Donc voilà, si tu trouves un nom pour tout, je mets tout à ton nom. Je vais quand même m'arrêter en chemin histoire de farmer un peu de tamium. Parce qu'il y en a beaucoup ici dans l'espace. Je sais pas combien je suis, j'ai un stack déjà, mais je vais en faire deux, comme ça je suis tranquille aussi. Je suis un peu trop loin.
Voilà, donc du coup j'ai perdu la planète de vue, je sais pas où elle est. Donc on a celle-ci. Je crois que c'est celle-là, ouais, c'est celle-là. Elle a l'air vraiment déserte hein, aussi. La banane filante, la patate lente, la carotte en chaleur, l'aubergine molle, la laitue glacée. Ça fait 5, il y a 6 planètes. Là, il y a la dernière que je vais explorer, c'est la sixième. Et le système, alors, tu vas l'appeler comment? Le système, on va l'appeler Loulou de Bretagne, si tu veux. Ou alors si t'as un autre pseudo gaming, je mets ton pseudo. Ça te va comme ça? Ah, je vais me faire attaquer par des pirates encore. La carotte en chaleur, je vais le mettre pour la planète chaude, hein. Wow, il y a 3 vaisseaux encore. Je prends cher là. Wow, mais c'est quoi ce truc de ouf? Vite, je réactive mon bouclier. Tendu, c'est tendu. Ah mais c'est quoi ce laser de ouf là? Ça enlève tout mon bouclier super vite. Où est le dernier? Oh, j'ai failli clamser, oh là là. Va faire dodo. Voilà, ouh, c'était tendu là les amis. Alors est-ce que t'as une idée pour cette dernière planète là? La banane filante, la patate lente, la carotte en chaleur, l'aubergine molle, la laitue glacée. Et non, allez, quand même pas là, faut pas exagérer là. Je veux bien qu'elle est brune la planète, mais quand même quoi. Ça, je vais pas mettre ça. Ah, ici il y a déjà de la végétation, donc ça c'est déjà bien. Maintenant reste à savoir s'il y a des animaux ou pas. Ah, donc je propose à tout le monde, hein, si vous avez des idées pour nommer le système et les planètes, dites-les moi. Et le premier qui me dit tous les noms, ben je...
si ça reste bien et correct, je vais les mettre. Donc là, il y a Loulou de Bretagne qui a proposé comme nom de planète la banane filante, la patate lente, la carotte en chaleur, l'aubergine molle et la laitue glacée. En sachant qu'il manque encore une planète et il cherche le nom. Il y a 6 planètes sur mon système et celui qui trouve, bah, je donnerai le nom. Je donnerai son pseudo au nom, comme nom au système, tout simplement. Donc là, je cherche après une base. Ou alors là, on a un truc pour améliorer notre combinaison. Je vais plutôt prendre ça. Alors, il y a un peu d'animaux quand même, donc je vais rester un peu sur cette planète. On a de l'aluminium ici. Donc c'est une planète où il y a de l'aluminium. La sainte patate fleurie, mais il y a déjà une patate. Ça fait 2 patates? Bah alors, je sais pas, donne un nom. Donne un nom qui fait patate au système et tu mets tous des plats avec des patates. Alors j'ai oublié de préciser pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un système où il y a 4 planètes désertes, une planète chaude avec des tempêtes de chaleur, où il fait plus de 120 degrés, et donc cette dernière planète-ci avec un peu d'animaux aussi. La planète chaude, il y a aussi des animaux, donc voilà, si vous avez des idées. Pour donner un nom, je vous écoute. Enfin, pour donner des noms, parce qu'il y en a 7 à donner au total. Perso, j'ai pas d'idée, hein. Oh, on a un animal là, on va le scanner tout de suite. Il veut pas se faire scanner. Il est où? Il est où? Donc il y a 8 créatures sur cette planète. On va tâcher de toutes les découvrir. Hein. Ah, et c'est une planète toxique. Je vais m'arrêter 2 secondes juste pour vous montrer donc le système et les planètes. Donc on a le système qui est Igaia, c'est bon. Igaia, c'est bon, oui, d'accord. Je sais pas c'est quoi de l'Igaia, mais apparemment c'est bon. On a la planète Okmedeyukels, je sais pas, d'accord. Observer, ah voilà, on peut observer donc la planète. Je sais pas si on verra, si on aura un aperçu des couleurs qu'elle a. Ah non, ça c'est celle où on est. On n'a pas l'aperçu ici non plus. Donc tant pis. Donc la planète où on est ici, c'est poussière acide. Ah non, c'est pas celle-ci. C'est bizarre, ça me mettait sur celle-ci. C'est chiant. Alors ça, c'est une planète stérile. Vous voyez un peu les couleurs. Là, le ciel est vert, la terre est jaune. Là j'ai rien fait du tout non plus parce que c'était beaucoup de plantes mais pas d'animaux. Ensuite on a cette planète-ci où il y avait quelques plantes mais pas d'animaux non plus. Nuages toxiques. Ensuite on a cette planète-ci avec quelques animaux.
Celle-ci, c'est la planète chaude, si je me trompe pas. Ouais, c'est celle-ci, la planète chaude. Ensuite, il y a la planète, encore une planète déserte, celle que j'ai fait juste avant, et cette planète-ci, où je suis actuellement. Voilà, si vous avez des idées pour renommer toutes ces planètes et le système, je le mettrai donc à votre pseudo, hein, et les planètes, selon ce que vous me dites. Pour l'instant, il n'y a que le bout de Bretagne qui a proposé des choses. Je sais pas si les autres veulent proposer ou pas, mais voilà, je vais laisser un petit temps. Et une fois que j'aurai fini d'explorer cette planète, je vais renommer donc tout le système. Comme ça, je finirai tout en une fois et on verra ça à la fin. Donc voilà, vous avez le temps. Je vous laisse réfléchir. Ces plantes sont assez bizarres quand même, hein. J'ai pas vu s'il y avait des oiseaux. J'avais eu ça donc du lémium et du chrolium. C'est quand même pas mal cher tout ça. Là-bas il y a quelque chose, une balise je crois. Si je me trompe pas, cette grosse antenne, ça va me permettre de scanner un peu les environs. Et là, est-ce que c'est de l'or ou de l'émeril? Émeril. Je vais faire un trou au milieu. On saura que je suis passé par là. Ah, je pense même que ça va me montrer un abri quelque part. Je suis pas sûr. Ouais, voilà. Donc on va s'y envoler de suite. Voilà, juste pour viser la piste d'atterrissage. C'est pas toujours évident. Ah, c'est une porte, ça fait la tête de Dark Vador, quoi. On nous propose un autre gun. Un 17 emplacements. Je pense que le mien a plus. Hein. Alors, il en a 18.
Je monte sur la table des gens, normal. D'accord, j'ai rien compris. Oula, une aiguille métallique acérée émerge de la paume de la main, de la forme de vie, si vite qu'elle est à quelques centimètres de mon front, avant même que je ne puisse cligner des yeux. Hein, ça fait peur. Une goutte de substance étrange, probablement toxique, semble sur le point de couler sur la pointe de ma visière. Elle reste suspendue pendant que l'entité attend de recevoir l'ordre de la plonger dans mon cerveau. D'accord. Bah, je vais le laisser faire, hein, écoutez. D'accord, bon ben voilà, c'est très logique tout ça. Le mec il me plante une aiguille toxique et j'apprends une technologie pour mon gun. Alors je vends l'aluminium. Le titane je vais le garder. Tout ça je vais garder. Ça aussi, ça aussi. Peut-être juste le carbone. Non, le carbone aussi je vais le garder. Ah voilà, c'est ici. Donc 108 000 pour 3 chrolium. 63 000 pour de l'hémium, il y a encore de l'or et de l'aluminium. Juste regarder combien de stacks j'ai de disponibles donc dans mon vaisseau et sur moi. Alors en fait, faut savoir aussi que l'inventaire qu'on a sur nous, par stack, donc par case, on peut mettre 250 maximum, et dans le vaisseau, c'est 500 maximum. Donc si vous avez par exemple des choses en exemplaire, genre voilà 250, plus 250, donc j'ai libéré deux stacks, et ça m'en a pris que un. Donc pour avoir plus de place, c'est bon, c'est toujours bon à savoir quoi. Genre l'altamium, le plutonium, tout ça, ça libère de la place. Je vais encore mettre un stack de plutonium. Et voilà, on est bon. On a libéré pas mal de place. La titane, je crois que j'en avais encore sur mon vaisseau. Non, j'ai plus. J'ai que de l'iridium et du nickel. Donc iridium et du nickel, j'en ai pas sur moi, donc on est prêt à partir. Il n'y a rien d'autre à savoir ici, rien d'autre à prendre. Juste activer la balise, comme ça ça sauvegarde. Je suis chaud d'aller faire une petite exploration à pied. On va aller voir ça. Y a rien dans cette maison? Bon bah c'est la première fois que je trouve une maison vide.
Il n'y a pas beaucoup d'animaux ici, hein, quand même. Bon bah, le loup de Bretagne, je crois que je vais nommer le système à ton nom. Personne n'a l'air de vouloir participer à cette recherche de noms pour le système et les planètes. Juste les patates là, il y en a deux quand même, donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu penses du le haricot fleuri plutôt, non? Moi, je vais prendre le méril parce que c'est quand même une ressource qui se vend assez cher et même si c'est pas pour vendre, on en aura peut-être besoin plus tard. Wow, je me fais attaquer par quoi là? C'est quoi qui m'attaque? Elle est où cette bestiole? Il y a une bestiole qui m'attaquait, mais je vois aucune bestiole. Bon, bah on va retourner là, on va se faire attaquer, on verra bien c'est quoi. Apparemment, c'est sous le sol qu'elle est. Non, elle m'a attaqué. Ah, elle est là, voilà. Je l'ai explosé avec ma grenade. Oui, bonjour, bonjour. Je sais, je suis beau, merci. Il est énorme ce rocher de Méril. Par contre aujourd'hui j'ai du temps donc je vais couper l'épisode dans 40 minutes. Parce que j'ai des choses à faire.
Je vais juste faire ce rocher là en entier. Hein. Si j'en retrouve après, je vais pas le faire. C'est juste histoire d'avoir un stack ou deux quoi. Ah zut, c'était une plante là-bas. Voilà, donc on a fini ceci. Donc, toujours pas de bête volante. On va continuer notre exploration, hein. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. C'est assez étrange, hein. On a trouvé déjà quelques espèces, 5 espèces en tout. On a une autre espèce là-bas. Je sais pas pourquoi il veut pas le scanner, bon bah je veux pas avoir le choix, désolé petite bébête. Là, je lui ai donné à manger. Ah zut, je vais vite faire une petite grotte là. Voilà, comme ça il pleut plus sur moi. Par la même occasion, j'ai regardé combien d'espèces j'ai trouvé alors. Il m'en manque 3. J'ai trouvé les mâles et femelles de chaque espèce apparemment. Là, je suis en train d'envoyer les données en fait pour confirmer les découvertes que j'ai faites. Et alors le système, comment tu voulais l'appeler le loup de Bretagne? Ça c'est la planète chaude, hein. Je vais te nommer je vais nommer comme tu l'as dit donc.
Voilà, c'est fait. Ensuite, la banane filante. Quelle planète? On va faire la jaune, hein? La déserte jaune, celle-ci, voilà. Hop. Alors celle-ci, je sais pas du tout, donc on va faire voilà la patate lente. La planète sur laquelle on est, on va faire la dernière, hein, la sainte patate fleurie. Voilà. Poussière acide, climat apaisé. La laitue glacée, je vais le mettre en climat apaisé. Et le dernier, ce sera l'aubergine molle. Et alors le système, tu veux que je mette quel pseudo? Mais voilà, ça c'est fait. Je vais encore jouer un petit peu. Et puis je vais pas tarder à quitter. Hein.
Voilà, on a le dernier succès de langage. Il nous manque comme succès. Exploration, faune, exploration, vaisseau détruit, survie extrême. Faune. Alien. Vaisseau, survie, ouais, bon voilà. De toute façon, ça se fera petit à petit. Hein. Par contre, là-bas, il y a une énorme montagne. Virus.
Apparemment, il y aurait une base par là. Je pense que ça vient de là-bas, hein. Donc de derrière moi, là, du coup. Et là, ils vont aller dans l'espace, normalement. Ah non, ils vont atterrir là-bas. Du coup, je sais pas de quel côté je vais aller. Il y a une espèce là. Protection toxicité. 6 sur 8. Et donc 7 sur 8. Et 8 sur 8, voilà. C'est fini. On a fini cette planète. Du coup, je vais regarder un petit peu ce que j'ai là. Ouais, je vais me faire des stocks d'éméril tant que je suis sur cette planète. Puis je retournerai sur mon vaisseau et on va partir de ce système pour aller en découvrir un nouveau et je partirai alors. Je reviendrai plus tard dans la journée ou peut-être même dans la soirée. Tant que j'ai de l'éméril en visu, je continue et dès que j'en ai plus, je pars. Vous avez vu ce minuscule point d'éméril là? Boum! Un éméril pour un tout petit point comme ça quoi. Je ne vois plus d'éméril.
Bon, on va retourner à notre vaisseau, mais d'abord, on va recharger un peu notre tenue toxique. En route pour le vaisseau, il doit pas être très loin, hein, genre 5 minutes ou 7 minutes, voilà. Assez chaud de jongler entre le sprint et le jetpack là. Alors pour ceux qui ne savent pas trop comment faire pour aller vite comme ça avec le jetpack, je vais le répéter encore une fois. Donc en fait, pendant qu'on court, ou même pendant qu'on marche, on active juste en appuyant sur A l'attaque de mêlée. Et en fait ça fait une charge ou une esquive, ça dépend, on peut la faire dans tous les sens. Et pendant cette charge, on a juste à appuyer sur espace et on va beaucoup plus vite. Il faut le faire vraiment au bon timing pour que ça marche. Ouais, j'aurais jamais réussi à atteindre le sommet ici de la petite falaise. Bah, apparemment je peux même y aller à pied. Peut-être pas en fait. Si c'est bon. Wow. C'est une crête en fait. Ok, what the fuck, mon vaisseau il est en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que mon vaisseau fout là-bas? Je sais pas c'est qui le mec qui a bougé mon vaisseau pour pouvoir se garer, mais... Si je le retrouve, je vais lui refaire les dents. Non, j'ai quand même... Et comment je fais maintenant pour atteindre mon vaisseau?
Je vais pas avoir le choix, je vais devoir farmer un tout petit peu de fer. Voilà. Donc je vais vendre en vitesse ce que j'ai eu et que je n'ai pas besoin. Alors de l'émeril, est-ce qu'on en a sur notre vaisseau? Non. Donc je vais en garder 500, donc je vais en vendre juste 99, 99. Ça, je vends ensuite plutonium. Je vais regarder juste 250, non 500, 500. Je vais regarder 500 quand même. Comme ça, j'ai deux stacks. C'est plus ou moins bon. Ce stack là je le vends, le fer je vends, le zinc je garde, le carbone je vends. Et ça je garde. Voilà. C'est bien, c'est bon comme ça. Ça me plaît. Et donc maintenant on se casse de ce système. Mais la question, c'est pour aller où? On peut aller très 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 loin si on veut. Je sais pas si on pourra sélectionner une planète par exemple, un système. Oula. D'accord, ça m'a remis sur ce système là. Voilà, par exemple, si je sélectionne celui-ci, est-ce que je peux y aller? Non, il me faut le réacteur de distorsion Theta, que je n'ai pas. Donc je suis obligé d'en faire un assez proche du mien. Celui-là, par exemple? Non. Je suis obligé de sélectionner celui-ci. Ou alors le gros bleu là. Non, je peux pas non plus. Ou alors celui-là. Je ne peux pas, mais où est-ce que je peux aller alors?
Bon, apparemment je peux aller que sur celui-ci, donc je vais y aller, hein. Hop. Tout simplement. Alors j'ai de grands risques de me faire encore attaquer par des pirates. Je ne vois pas de station spatiale. Ah, elle est là, bah, elle est juste là en fait. Je vais aller à la station spatiale et je sauverai à cet endroit-là. Je sais même pas si je peux sauver à la station spatiale. Je suis pas sûr de ça. Point de restauration enregistré, donc apparemment c'est bon. Avec mon tout petit vaisseau. C'est quand même pas mal, hein. Je suis pas mécontent de l'avoir acheté. Ça ressemble à un bus, train, hélicoptère. C'est un peu comme les espèces, hein. C'est des mélanges de véhicules. Comme les mélanges d'animaux. Il est assez spé celui-là, je vais voir combien il coûte et combien d'emplacements il a. En tout cas, il a l'air vraiment pas mal. Wow, c'est quoi cette espèce? Des vikings, des vikings, vikings, c'est mieux vikings. Trente-quatre emplacements! 12 millions le vaisseau, quoi. Wow. Ah ouais, quand même. Quand même. Wow. 34 emplacements, alors qu'il est beaucoup plus petit que le mien. Bon, je vais vite aller voir ici ce qu'il y a en haut. On a un bar viking. Je sais pas pourquoi dans les bases spatiales ça fait toujours ce bug graphique là. Passe Atlas V3. Je n'ai même pas le V1. Je vais lui donner un peu d'iridium en espérant que c'est le bon choix. Bon, apparemment c'est bon. Thank you.
Donc, qu'est-ce que j'ai que je peux garder sur moi? Le plutonium, j'en aurai besoin pour ma combinaison. Le titanium, il n'y en a pas beaucoup, je vais le prendre. Platine, pareil. Et la mérine, pareil. Voilà, comme ça, on est bon. Ça aussi, je vais le prendre. Alors je vais vérifier ici, j'ai toujours besoin de cuivre et un résonateur dynamique. Voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de ce truc. Oh là là, j'avais oublié. Du coup, je les ai vendus maintenant. Eh oui. Je suis rentré dans un vaisseau. Bon allez, on va vite aller à ce monolithe là, qui se trouve sur une planète assez lointaine. C'est assez spécial, les espèces de donuts volants là. La planète donut. Je pense qu'il y a du cuivre. Je pense que ces rochers volants là, c'est ça le cuivre. Je suis pas sûr. Parce que mon frère m'a dit qu'il en avait trouvé, c'était des rochers volants. Donc on va voir. Planète toxique, je crois, puis alcaline. Il n'y a pas d'animaux et il y a un peu de plantes. J'aime bien l'espèce Viking, elle est assez sympa avec sa bouche bizarre là et son aspect un peu reptile.
Élevez-vous jusqu'aux étoiles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais juste regarder si ce gros rocher là c'est du cuivre. Oh super. Je vais rester un peu sur cette planète juste pour farmer du cuivre parce que j'en ai absolument besoin. Du coup, je vais finir ce rocher, puis je vais aller sauvegarder et je vais quitter la vidéo ici. Voilà, donc pour un gros rocher comme ça, j'ai récupéré 284 unités de cuivre, donc c'est déjà pas mal. Ça va se faire assez vite en fait. Je vais faire genre une dizaine de rochers pour avoir un petit stock. Et je vais encore craft le truc, donc je vais aller à mon vaisseau, essayer de trouver une base et sauvegarder assez vite. À défaut de trouver une base, en fait, je vais juste m'arrêter ici, tout simplement. Comme ça, je pourrais améliorer ma combinaison encore une fois. Et c'est ici que je vous abandonne, donc voilà. Je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous souhaite un bon jeu à vous si vous jouez à ce jeu, ou une bonne journée, ou quoi que vous fassiez, que ce soit bon. Et je vous dis à très très bientôt donc pour une nouvelle exploration donc sur cette planète et sur ce système qui a l'air pas mal. Donc voilà, ciao ciao.